Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Duel. J'ai pas encore trouvé le nom des vidéos de Duel, mais on a prévu de le faire, donc on va les tourner. Et quoi de mieux que d'être en compagnie de la grande et puissante duelliste Secretary Curiosity Marine. Je me disais aussi. La grande et puissante duelliste qui va jouer avec. La grande virtual team. Et moi, du coup, je vais jouer le deck Tyranno Noir. Donc en fait, le deck dinosaure, puisqu'on va en fait faire le duel Insectoraga versus Rex Raptor. Et donc moi je vais jouer le deck dinosaure et elle va jouer le deck insecte en fait. D'Insectoraga et moi celui de Rex Raptor. Donc qui du dinosaure ou des insectes va gagner, c'est parti. It's time to do. Je vais pas faire tricher avec un deck insecte. Bah oui justement. J'ai glissé. Merci Captain Obvious, ouais. Dans ton deck. Du coup, tu voulais que je... J'allais dire, tu as déjà oublié comment on joue au jeu de duel 2. C'est mon premier duel. On va lancer l'idée, on va lancer un jeu d'idée. Et j'ai fait 3. Et ça fait 3. Du coup, on relance. Et j'ai fait 5. Non, des virtuels, ça fait pareil. Et j'ai fait 3. Je... Prends la main. Du coup, on savait que tu savais pas compter. Si je compte 5 et là je suis. Ah, j'en ai 6. Il y a combien d'étoiles sur ce monstre? Non, pas moins d'étoiles. Hein. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Oh putain. Wow, Marc. Ce serait bâtard parce qu'en fait là j'ai moyen de faire en sorte que le GX ait un petit tour. On sait que t'es un tricheur hein, donc tu peux le faire, on sera pas ok, alors, ça sera intéressant. Si tu le dis. Ok, ça c'est intéressant. Et là maintenant, qu'est-ce qui va être intéressant? Ok. Alors je peux invoquer spécialement cette carte. Ah bon? Depuis ma main. Si elle est invoquée de cette façon, activez cet effet, votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre depuis son cimetière. Tu peux lire, tu as l'autorisation de vérifier à chaque fois. Il n'y a pas de... Ok. Voilà. Du coup, c'est une invocation spéciale. Donc je vais faire mon invocation normale, je vais sacrifier un monstre dinosaure pour invoquer normalement le Tyrannosaurus préhistorique, puisque je peux sacrifier un monstre dinosaure à cette carte. J'ai oublié, j'ai fait un nouveau en mode move. J'ai fait le même move que lors des lives, parce que savoir qu'on fait des lives le samedi soir, les Yugi Sabi, où on fait des duels avec divers decks, et j'ai déjà fait ce deck là en fait, j'ai déjà joué ce deck là, et j'ai fait la même connerie. C'est-à-dire, je vois, vous pouvez sacrifier un monstre dinosaure, et dans ma tête, c'est vous pouvez sacrifier un monstre dinosaure, et l'invoquer spécial. Mais non, c'est je peux en sacrifier un, et cette carte gagne son attaque. Du coup, j'ai fait un mauvais move, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah bah non, je peux faire une invocation normale, je suis con. Donc j'invoque normalement l'hydre tête de marteau, je passe en même phase 2. Ben, je passe en une phase en fait. À vous, mademoiselle. Très bien. Alors, je pioche. Allez-y. Insector marine. Insector marine. Moi, je suis Rex Evals. Les insectes. Qu'est-ce qu'on va faire de ces insectes? Je sais pas. C'est vrai qu'on va toujours à l'ancienne en fait, vu qu'on n'a pas d'extra deck, on aurait pu dès le tour 1, piocher, enfin, faire vraiment les règles à l'ancienne. Mais bon, on reste à 8 points de vie, évidemment. Si tu le dis. Toi, t'as 1004 et 1005. Ouais. C'est quoi ce deck tout pourri? Et ben, je vais poser ça. Ouais. Je vais te prendre. J'allais dire, what? Je ne connais pas cette position pour les cartes magiques. Je sais que c'est le carte. Et je termine mon tour. Très bien. À moi, là. Non, pas très bien. Oui, à toi. Croisé. Ok, bon, je tente. Je sacrifie les deux. Donc cette fois-ci, je peux enfin invoquer le Tyrannus préhistorique. Mm-hmm. Donc il y a 2500 d'attaque. Et j'attaque ton monstre. 2500 d'attaque. C'est l'insecte mangeur d'hommes, je pleure. Force mur, hein.
Non, je crois qu'elle y est pas. Elle y est pas. Ok, d'accord, c'est un mousse normal de merde, ok. Bah oui. Bah, une phase, à vous, cher insecto secret de Paris. Bon, du coup, j'ai un bon dinosaure en attaque. Alors, je vais invoquer Petit Papillon. Ah. En mode attaque. En mode attaque. Et ouais, je vais lui équiper Collier d'ambition. Il gagne 500 d'attaque par différence de niveau. Par niveau de différence. Attends, quoi? Il gagne 500. Et là, il a 1 et toi, combien? 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 8. 6 fois 5, 15, il gagne 1500, donc il a 1008, c'est ça? Non, attends. Attends, il gagne 500. Par niveau de différence du monstre. Équipe uniquement un monstre normal, si combat un monstre de niveau supérieur, le monstre équipé gagne 500 fois la différence de niveau. Donc il y a 6, 6 fois 5, 30, tu gagnes 3000. Ouais, mais disais, je sais pas compter. Voilà. Tu gagnes 3000, d'accord. Faire l'animer par un petit peu de pigeon. C'est ça qui est génial. Je vais me faire exploser quoi. Du coup je passe en battle phase. Et j'attaque ton Tyrannus. Putain, je fais. Historique. Je perds 500 en plus et c'est mon monstre le plus puissant qui meurt quoi. Par un petit papillon. Par un petit papillon, une vieille chenille de merde qui a 300 à la monstre normale à la con. Putain, mais c'est pas vrai. C'est génial ce cas. Oui. À moi. Termine mon tour. Je termine mon tour. Pose ça. Et je dis à toi. D'accord. Je suis dans la merde, donc je suis à 7500. Alors c'est pas gagné là pour l'instant. Non, c'est clair pour toi que c'est pas gagné. Non, ouais, là, ouais. J'ai touché la carte qu'il me fallait pour te battre, mais trop tard en fait. Oh. Là j'aurais pu riposter. Mais... Mmh. Ah ouais, j'avoue, ça m'aurait été grave, putain. Je vais sacrifier le petit papillon. Effet de la carte, je peux le mettre au-dessus du deck. C'est bon. Alors attends, c'est pas que je quand te crois pas, mais c'est cimetière. Que. C'est que je te crois pas. Alors cette carte en même cimetière, vous pouvez la placer au-dessus de votre deck. Mais c'est abusé le collier d'ambition comme carte en vrai. Du coup, je vais la mettre au-dessus de mon deck. Putain. Et donc par sacrifice, j'invoque la Mante Impératrice. Ok. Je lui équipe armure d'insecte avec canon laser, donc elle gagne 700 d'attaque. Je passe à 2900 d'attaque. D'accord. Et je passe en battle phase et j'attaque ton petit monstre. Mon dragon rampant numéro 2, hein, qui est un dinosaure qui s'appelle dragon rampant. D'accord. Je pense que ça, à mon avis, ça doit être une mauvaise traduction, peut-être. Peut-être. Je termine mon tour. Ok. Allez, j'ai foi en l'âme des cartes. Intéressant de cette carte, mais en même temps elle sert à rien. Donc... Qu'est-ce que ça peut être? Je pose ça. D'accord. Et je dis une phase. D'accord. Tout ce que j'ai pioché. Ah bah non, moi je sais pas ce que t'as pioché. Si, je l'ai remis au-dessus de mon deck. Ah bah oui, je suis con. Mais tu vas voir comment tu veux que je sache que t'as pioché? Bah oui. Le mec il suit totalement les duels quoi. La crédibilité. Ah. Je suis en train de penser en fait, depuis tout à l'heure vous avez entendu de l'eau qui coule, c'est normal, c'est la fontaine des champs en fait. J'ai totalement oublié de la couper. Je me dis merde, ça fait du bruit. Petite interlude, je la coupe. Ouais, c'est ce que je vais dire, ça fait ambiance chinois, fontaine. Allez. Alors j'équipe la hache gravitationnelle à ma Mante Impératrice. Ouais. Donc 700 plus 500, ça fait 3400. Et je passe en battle phase. Donc je prends 3400 dans la gueule. Et je t'attaque. Très bien. Et je termine mon tour. Il me reste donc 4100, c'est super. À moi alors. À oui. Moi de jouer. Toi de jouer. Je place ça. Je dis à toi. 4100.
presque la moitié de mes life. J'invoque à l'insection. À l'insection. Attends. Et je lui équipe. C'est pas vrai. Armure d'insecte avec canon laser. Non, une deuxième. Donc elle passe à 1550, si je me trompe. Ok. 1650. Ok. Du coup, je t'attaque avec à l'insection. Ta carte passe vers. Alors, c'était le lézard de grand vent. Je te laisse lire à haute voix les effets de ce monstre. Ciblée en monstre contrôlé par votre adversaire, envoyez la cible à la main. Ok. Donc je renvoie ta mante impératrice à ta main. D'accord. Du coup, elle perd tout son équipement en même temps. D'accord. Ok, je perds pas de point de vue, tu as déjà détruit mon monstre avec toi. Ok, c'est bon. Hein ? Non, c'est bon. T'as la force. Oui, j'essaie de tempo comme je peux. À moi ? Ok. Non, même phase 2 pour ma main. Même phase 2. Je lui équipe collier d'ambition. À l'insection. Ok. Et je termine mon tour. Je dis une phase. Waouh. C'est trépidant. Non, mais en vrai. Donc, comme j'ai fait en sorte que le deck soit assez proche celui de l'animé. Dans l'anime, ils invoquent, ils s'en foutent des étoiles. Du coup, moi, je suis un peu niqué, en fait. Parce que j'ai des gros monstres dans la main, mais je peux rien en faire. C'est triste. Alors, Allez. Qu'est-ce qu'on va faire ? Me tuer ! Ça fait combien, 2100 ? Non, 4100. 4100, pardon. S'il te plaît, mais t'as pas pris un seul dégât. C'est vrai. Ça va être un perfect. Peut-être. J'envoie gros insectes. Ok. Et je passe en battle phase. Ok. Et je t'attaque avec gros insectes. Donc à 1200. Donc je prends 1200. Voilà. Et après tu m'attaques avec l'autre, je présume aussi. Oui. Qui a combien ? À 1650. Ok. Ok, bref, 1250. Parfait. Et je termine. Oui, c'est pour ça que j'invoque Souris élémentaire. Ouais. Je lui équipe l'esprit de combat. Le monstre équipé gagne 300 attaques pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. S'il va être détruit au combat, vous pouvez détruire cette carte à la place. D'accord. Du coup, je passe à 1800. Et elle passe à... Si tu attaques elle gagne 500, donc elle passe de 650 à 2100. 2150. C'est abusé le collier d'ambition, quoi. C'est une carte, en vrai, elle est cheatée de ouf, hein. Ouais, elle est sympa. Bon, je t'attaque les gros insectes. Ça, c'est comme ça, ouais. 300 dégâts. Alors, 8 moins 2, 6, donc tu perds 600. Tu perds 600. Ah oui, tu gagnes... Ah oui, c'est vrai. Voilà, du coup, je te fais au moins des dégâts. C'est je sais pas, elle est perfecte. À toi. J'ai été bête. Ah oh, mais non, mais ta mère là, tant qu'elle a cru d'ambition. Si je veux passer en battle phase et attaquer ton monstre. T'as combien d'attaques? 2150, c'est ça? T'as qu'on soit sûr.
Et t'as 1650, je gagne 500 parce que t'as un niveau de plus. Ah, mais putain, mais c'est mon niveau. Il gagne 300 d'attaque fois le nombre de monstres que t'as. T'en avais 2, je gagnais 600 d'attaque. C'est quoi? C'est plus le cas maintenant. Ouais, bon, c'est ma faute, c'est ma faute. Tu t'es raté. Ouais, c'est totalement ma faute. Donc du coup, 2150. 2150, c'est bien ce que je dis. T'as 2150, ok. Donc je t'attaque à 2150. Ok, donc je prends 4, ça détruit ça, et je prends 450. Très bien. À moi? Oui, à toi. Si. Voilà, maintenant le choix. J'utilise impulsion extrême. J'envoie deux cartes depuis ma main au cimetière. Donc je vais mettre ces deux cartes depuis ma main au cimetière. J'aurai spécialement deux jetons âme. Bon, j'ai pas de jetons âme, du coup ça va être un jeton Far Star et un jeton de quoi. Démon 0-0. Je ne peux pas être sacrifié sauf pour une invocation sacrifice. Ah, je fais une invocation sacrifice, c'est cool. Du coup, je sacrifie les deux pour invoquer le tyranneau noir. D'accord. Et là, il y a une grosse différence de niveau. Oui. Alors, je suis à 2600, mais même tu gagnes tellement que... Je suis à 3650. Attends, mais je comprends pas, c'est que quand on t'attaque ou... Si le combat a un monstre de niveau donc, supérieur, quand on l'attaque, de niveau supérieur, ok. Donc un niveau inférieur, donc c'est vraiment utile sur des petits monstres. Oui. En vrai, c'est vraiment sympa comme carte. Ouais. Parce que j'ai jamais oublié cette carte, mais maintenant que je sais que je l'ai... Tu l'as toi aussi Non. Non mais en collection tu l'as. Non, je l'ai pas. D'accord. Mais bah tant mieux. Je tant mieux que tu l'aies pas. Parce que j'avoue que c'est... Je sais pas quoi faire. Parce que là en vrai je peux pas attaquer. On va éviter de perdre des points de vie. Donc. À toi. Tu sais que si je t'attaque lui, tu vas perdre suffisamment de points de vie. Oui, mais il y a une carte là qui peut changer toute la donne. Donc. D'accord. C'est genre le mec en stress qui s'essuie parce qu'il goûte. Bien, merci. Alors, je passe en battle phase et j'attaque ton tyranno noir. Et combien d'attaques? 3650. Non. J'ai pas envie. Non, parce donc que tu m'enlèves 1050, moi. Du coup, bah t'as gagné. Et non, bah en dessous j'avais Instinct du Chasseur, fallait que t'invoques spé là, bordel de merde. Il fallait juste que t'invoques spé. Mais j'ai pas d'invocation spé là-dedans. Mais si, t'as peut-être des cartes magiques ou pièges qui font invoque spé monstre depuis, je sais pas, le cimetière ou j'en sais rien là. Non. Putain, j'en ai marre. Bon bah du coup, le deck Insect a vaincu le deck Dinosaur, félicitations. A gagné. Insecto Raga, de toute façon, comme dans l'animé, les insectes ont battu les dinosaures. Ce qui montre qu'il ne faut pas se fier à ces putains de dinosaures. Ils sont grands, ils sont forts, mais ils sont pas rusés. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo de duel vous a plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos de duel. Je pense qu'on en fera d'autres. On va voir si ça plaît ou pas. C'est un test, bien évidemment. Et on fera d'autres decks. N'hésitez pas aussi à proposer des petits decks et à venir sur live les samedis soirs pour les week samedi. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à lâcher le pouce bleu si ça vous a plu. Vous connaissez la chanson. On se dit à très bientôt. Bye! Bye! J'ai dit bye, ouais, j'ai dit bye. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne!